Bonjour à tous. Je suis Lilian Tcherkanach, je suis conseiller à la direction des programmes de santé mentale et dépendance. Et aujourd'hui, donc, je vous accueille pour cette présentation qui va permettre de découvrir l'équipe de Michel Perrault et de la formation croisée. Alors, nous accueillons donc Michel Perrault, qui est psychologue chercheur à l'Institut Douglas depuis 1986 et qui est professeur agrégé au département de psychiatrie de McGill depuis 1994. Il est accompagné aujourd'hui de Diana Milton, qui est coordonnatrice de recherche dans son équipe et qui travaille avec lui depuis 2008, et de Léonie Archambault, qui est coordonnatrice de recherche et étudiante au doctorat, qui travaille aussi dans son équipe depuis 2010. Cette équipe, donc Michel et son équipe, vont nous parler du programme de formation croisée sur les troubles de la santé mentale et des dépendances. C'est un programme qui a débuté en 2002 et qui, depuis 20 ans, soutient les intervenants qui interviennent de près ou de loin auprès des personnes ayant des problèmes liés à la dépendance et à la santé mentale. Ils vont vous présenter l'origine, les composantes et puis quelques résultats du programme et vous expliquer un petit peu aussi comment y participer. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Lilian. Le but de cette présentation-là, d'abord, merci d'être là. Le but, c'est tout simplement de vous faire connaître ce programme-là, aussi de vous montrer les activités qui sont accessibles actuellement. Et par la force des choses, avec la pandémie, on a mis des activités en ligne, on a changé un peu la formule pour s'ajuster. Alors, c'est surtout que vous puissiez bien l'utiliser, ce qui est disponible. Alors, pourquoi un tel programme? Bien, je dois vous confier que quand on a débuté ça il y a 20 ans, on avait l'impression de faire quelque chose qui était occasionnel, que c'était pour arriver juste une ou deux fois. Parce qu'on voulait faire les liens entre les services qui étaient offerts au Douglas puis la communauté. Donc, on a démarré ça avec le centre de crise et le CLSC de Verdun. Et il y a eu tellement d'engouement pour les visites de site, là, des stages entre les différents organismes, qu'on n'a jamais arrêté. Et je dois vous dire que jusqu'à la pandémie, quand on a fait en présentiel, on a toujours eu des listes d'attente. On n'a jamais été capable de répondre à la demande des intervenants, même si la dernière session, là, qui était, je pense, en présentiel, Léonie, c'était sur le cannabis, la dernière qu'on a fait. Ben, aussi, je pense qu'on avait autant de monde en attente que ceux qu'on pouvait accommoder. L'amphithéâtre qui contient 220 places d'habitude, mais on a toujours débordé. On prend toutes les salles disponibles, puis on fait à plusieurs sites. On a une soixantaine de sites en présentiel. Alors, cet engouement, vous savez, quand on est chercheur, puis on a l'habitude de s'interroger quand on voit la poussière sur nos rapports de recherche qui s'éternisent, là, sans être consultés. On est très heureux quand on participe à des activités qui semblent répondre à des besoins. Et le besoin auquel on répondait à l'époque, c'était celui de la fragmentation, c'était celui de la difficulté d'assurer une continuité des services dans un système, celui de la santé mentale, qui s'est développé beaucoup de manière. J'ose pas dire anarchique, mais il y a eu toutes sortes d'initiatives qui sont arrivées, qui sont ajoutées. Et en chemin, on a tenté de coller les morceaux. Là, maintenant, beaucoup d'implications là, au niveau du gouvernement, restructuration une après l'autre. On a réussi peut-être à aplanir les obstacles, mais il y en a d'autres. On a beaucoup de personnes qui sont des nouvelles personnes qui viennent travailler avec nous. Il y en a qui sont partis à la retraite. Et restructuration sur restructuration, ça fait que on se rend compte que le besoin est toujours là de mieux connaître qu'est-ce qui se passe dans les organismes partenaires. Aussi, les problèmes de comorbidité se sont ajoutés. Et alors qu'on fermait les yeux avant sur la question de toxicomanie quand on travaillait en santé mentale, aujourd'hui on ouvre les yeux puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis si on a santé mentale et
Toxicomanie, généralement, le système judiciaire de sécurité publique est pas loin et on a à transiger avec tous ces réseaux qui ont des noms différents, des formations différentes, des territoires différents. Et si on passe de l'éducation au service de sécurité publique, on se rend compte que juste là, on nomme les choses différemment. Et c'est aussi le but, c'est de mieux comprendre qu'est-ce que les autres font. Notre façon de faire, c'était jusqu'ici d'aller voir dans les autres organismes comment ça se passe, d'amener les gens, les intervenants à comprendre en voyant, en échangeant avec des gens et non pas avec des organigrammes et des formations théoriques. C'est peut-être ça qui a plu beaucoup dans ce programme-là. Au cours de la pandémie, on a réussi à monter des activités qui visent aussi à faire connaître les organismes. Léonie va vous en parler. Et je dirais que le but ultime, c'est soutenir une meilleure intégration des services cliniques. Parce que si au niveau administratif, on semble être bien intégré, c'est souvent la traduction au niveau clinique qui pose quelques ennuis. Alors, je demanderai à Léonie, qui est l'experte là, qui a monté plein d'événements dans les 10 dernières années, et puis Diana, qui va peut-être faire des ajustements là, quand on erre trop ou qui nous manque de chiffres, ou je ne sais pas. Alors, Léonie, peux-tu poursuivre le flambeau avant que je réussisse à endormir tout l'auditoire? Avec plaisir, Michel. Tu sais comment j'aime profiter de cette tribune là, pour parler du programme de formation croisée parce que j'aime beaucoup parler de tout ce qu'on a fait, de tout ce que tu as fait avec tes partenaires depuis que tu as mis en œuvre ce programme. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, si on passe à la diapo suivante, avant la pandémie, le programme de formation croisée comportait deux activités qui étaient réalisées en présentiel. Donc, on avait ce qu'on appelle les clarifications positionnelles et les observations positionnelles. Alors, qu'est-ce que c'est les clarifications positionnelles? C'était, comme vous le voyez sur la photo, là, des grands événements d'une journée avec plusieurs centaines de participants interdisciplinaires, intersectoriels, interétablissements, donc un auditoire très hétérogène qu'on rassemblait pour clarifier, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle les clarifications positionnelles, clarifier un peu qui fait quoi. L'objectif, en fait, de ces activités-là, c'était de développer chez les participants une compréhension commune autour de la thématique qu'on traitait cette journée-là, développer un langage commun autour de cette thématique-là, avoir une meilleure idée de qui fait quoi dans le réseau et aussi, bien sûr, favoriser la création de relations de collaboration entre les participants. Donc, ultimement, comme tu le disais, Michel, c'était l'objectif ultime des activités, c'était de favoriser la continuité des soins pour les patients. Donc, pour y arriver, qu'est-ce qu'on faisait dans ces fameuses clarifications positionnelles? On débutait la journée avec une série de présentations d'experts, donc des présentations magistrales pour aborder des éléments cliniques ou théoriques autour de la thématique de la journée. Donc, on commençait par ça. Après, sur l'heure du midi, on avait préalablement préparé des. On avait séparé notre auditoire en petits groupes, donc on les avait assignés à des petits groupes, encore une fois interprofessionnels, intersectoriels, toujours pour assurer une hétérogénéité des savoirs et une complémentarité des savoirs autour des tables de discussion. Et donc, on fournissait à ces petits groupes des vignettes de cas cliniques, des questions de discussion, un modérateur, un rapporteur, et on invitait les gens donc à échanger autour des vignettes de cas pour qu'ils consolident leurs apprentissages du matin, mais aussi pour qu'ils puissent réseauter. Après, on revenait en grand groupe, on retournait dans le Douglas Hall, comme vous le voyez sur la photo, pour faire ce qu'on appelait les vitrines. Donc, les vitrines, c'était des présentations d'organismes ou de programmes ou de services. Et l'idée, c'était d'aider un petit peu l'auditoire à se placer, là, à savoir qui fait quoi dans le réseau et où puis-je référer ma clientèle, les patients, en fonction de leurs besoins. Donc, ça, c'était les clarifications positionnelles. Maintenant, les observations positionnelles, donc la deuxième modalité que vous voyez juste en dessous, on le dit, observation, c'était dans le fond de permettre à une personne
d'aller mieux connaître un milieu en particulier, donc d'aller observer sur place. Donc, on jumelait deux personnes qui provenaient d'équipes ou d'organismes différents pour qu'ils puissent aller observer un autre milieu pendant une journée. Donc, par exemple, un policier pouvait venir passer la journée à observer la pratique d'une infirmière à l'urgence du Douglas et vice-versa, une infirmière de l'urgence pouvait aller passer la journée à observer la pratique d'un policier. Donc, observation positionnelle, c'était sous forme de stage. Si on passe à la prochaine diapo, ça ici, c'est juste pour vous donner une idée là, de l'ampleur des activités de clarification positionnelle. Vous le voyez, l'évolution du nombre de participants aux activités, Michel l'a évoqué tout à l'heure, pour la période 2011-2019, on voit là, qu'on a eu de plus en plus de participants à nos activités. Donc, au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on remplissait le Douglas Hall à l'Institut Douglas. Mais petit à petit, ben, pour accommoder la demande, on a commencé à avoir des partenaires ailleurs à Montréal et aussi ailleurs au Québec et même jusqu'en Europe et au Brésil. Donc, partenaires qui se joignaient à nos activités en se connectant par visioconférence. Donc, ils se connectaient avec nous pour visionner les présentations magistrales du matin. Et après avoir visionné avec nous les présentations magistrales du matin, il y en a même qui allaient jusqu'à organiser sur place, après s'être déconnectés de nous, leurs propres ateliers de discussion, leurs propres présentations d'organismes locaux au niveau local, là, favoriser eux aussi leur continuité de soins, leur continuité de service. Donc, vous voyez que dans les deux dernières années avant la pandémie, on atteignait jusqu'à 800 participants. Si on passe à la prochaine diapo, on voit que ça, c'est un petit peu pour vous donner une idée des participants qui venaient participer aux activités. Donc, on voit un échantillon ici là, de participants aux activités pour la période 2010-2016 pour vous montrer comment l'auditoire rejoint était hétérogène, justement. Vous voyez d'abord que les gens étaient surtout des domaines de la santé mentale et dépendance. Mais si on regarde les milieux de travail desquels provenaient ces gens-là, on voit que c'était d'abord en majorité la santé générale, les hôpitaux. Ensuite, là, je ne vois plus la diapo, mais je pense que c'était l'organisme communautaire, sécurité publique, centre jeunesse. Donc, si on passe à la suivante, c'est pour vous montrer que finalement, que l'auditoire était complémentaire et hétérogène. Mais en 2020, comme vous le savez, la pandémie est arrivée, donc on a été obligé de cesser nos activités en présentiel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est replié sur des modalités virtuelles, mais en gardant toujours en tête qu'on voulait répondre à nos objectifs qui sont de favoriser le partage des savoirs interprofessionnels, intersectoriels, pour favoriser la continuité des services, savoir qui fait quoi. Évidemment, nos modalités en présentiel étaient conçues pour ça, hein, elles étaient fondées sur la rencontre interpersonnelle des gens entre eux. Mais là, on a misé, quand on s'est replié vers le virtuel, sur une variété de présentateurs, une variété d'expertises préenregistrées, donc des petites capsules préenregistrées. Donc, on a favorisé d'avoir une hétérogénéité au niveau des présentateurs pour poursuivre dans cette voie qui est de savoir qui fait quoi et de combiner des expériences et des expertises complémentaires pour bien comprendre le continuum de service et bien orienter la clientèle à travers ce continuum. Donc, on a pris notre volet présentation magistrale puis notre volet vitrine de service qu'on avait dans nos grands événements dont je vous ai parlé tout à l'heure, les clarifications positionnelles. Et on a transposé ces outils-là, comme je vous disais, en produisant des séries de capsules préenregistrées avec un éventail de types d'experts, donc des experts cliniques, des experts de recherche, des personnes qui ont un vécu de la problématique. Et ces séries de capsules-là composent les formations en ligne et permettent aux auditeurs de justement connaître des experts, connaître des ressources, acquérir des connaissances théoriques ou pratiques sur une thématique de santé mentale et dépendance. Et dans ces formations en ligne-là, on a aussi intégré des quiz pour permettre de consolider les apprentissages des participants. Et jusqu'à maintenant, on a développé 4 formations en ligne. Je vais vous en parler un petit peu plus loin là, au niveau de leur thématique. L'autre formule, je reste encore sur la même diapo, l'autre formule qu'on a développée pour transposer nos activités du présentiel vers le virtuel, c'est ce qu'on a appelé les rencontres virtuelles. Donc, les rencontres virtuelles, en fait, c'est ce qu'on a développé parce qu'on ne pouvait plus faire les fameux stages d'observation dont je vous parlais, les observations positionnelles, on ne pouvait plus envoyer les gens observer dans les milieux. Donc, on a
poser ça en rencontres virtuelles qui sont en fait des webinaires d'une heure sur l'heure du midi sur une thématique de troubles concomitants. Et moi, j'aime ça appeler ça un speed dating d'organismes ou de services ou de programmes. Je trouve que ça illustre bien ce que c'est parce qu'on demande à 3 ou 4 services ou programmes ou organismes de venir nous présenter leurs services très rapidement, en 10-12 minutes chacun. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur offre de service? Qui est leur clientèle cible? Comment on fait pour référer? Et donc, ces 3-4 organismes ou services viennent nous présenter leur offre et leur clientèle. Et en parallèle, on a toute une conversation sur le chat qui se développe entre les participants à l'activité et aussi avec les présentateurs qui ne sont pas en train de présenter, qui se répondent, qui se donnent des liens vers des ressources, qui échangent leurs coordonnées. Donc, il y a tout cet échange parallèle qui se fait en même temps que les présentations. Et ces séances-là sont enregistrées et déposées sur notre site web, accompagnées d'une liste de ressources avec la thématique. Donc, pour les personnes qui n'ont pas pu la regarder live, ben, ils peuvent ensuite aller l'écouter sur notre site web. Et effectivement, je vous parle du site web parce que depuis le début de la pandémie, on est devenu vraiment actif sur Facebook, LinkedIn. On a justement notre site web pour héberger le matériel qu'on produit puis aussi pour en faire l'annonce pour que les gens sachent ce qui s'en vient au niveau de nos activités. Si on passe à la diapo suivante, ici, vous voyez un petit peu là, la composition d'un échantillon de notre auditoire aux rencontres virtuelles. Hein. Fait que là, les rencontres virtuelles, ce que je viens de vous parler, l'espèce de speed dating, les participants ne sont pas distribués de la même manière que c'est pas le même auditoire, ou en tout cas, ils ne se distribuent pas de la même manière que pour les clarifications positionnelles. Donc, on a en priorité des gens de la santé publique qui apprécient beaucoup, qui se joignent à ces activités-là. Ensuite, organismes communautaires, CLSC, milieu scolaire, centre hospitalier. Et si on regarde l'auditoire des formations en ligne, ben, il est lui aussi un peu différent au niveau de sa distribution. Oups, juste revenir en arrière. Ouais. Il est aussi un petit peu différent au niveau de sa distribution parce qu'on voit qu'il est d'abord composé des organismes communautaires suivis des CLSC, milieu scolaire, CRD, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que les différentes modalités de transfert de connaissances qu'on a développées avec le programme ben, nous permettent de rejoindre aussi différents auditoires en fonction des préférences ou de ce qui est le plus... en fonction des préférences et aussi des besoins de chacun de ces auditoires-là. Donc, ça nous permet de ratisser plus large. À la diapo 13, vous voyez dans le fond que si vous participez à nos activités, vous allez voir quels sont les bénéfices auxquels vous pouvez vous attendre là, si vous participez aux activités, ou en tout cas les bénéfices que d'autres personnes qui ont participé aux activités ont obtenus. Alors, si on va à la prochaine diapo, on voit que pour les activités en présentiel qu'on faisait avant la pandémie, qu'on reprendra, je l'espère, bientôt, on voit que autant pour les activités de clarification que pour les activités d'observation, les gens considéraient qu'après avoir participé, ils en avaient appris davantage sur des ressources. Après, à la prochaine diapo, on voit que aussi les personnes qui ont participé à ces deux types d'activités-là en présentiel, bien, ça leur permettait d'obtenir de l'information utile pour mieux orienter les personnes avec qui ils travaillent. Et à la diapo suivante, on voit aussi que les deux types d'activités en présentiel là, permettaient d'identifier des personnes références pour justement bien orienter leur clientèle. Si on va, bon, on est à la diapo 17. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est ce qui concerne les bénéfices qu'on peut tirer des formations en ligne ou en tout cas que les participants rapportent avoir tiré. Donc, je vous disais il y a quelques instants qu'on a mis en ligne 4 formations depuis le début de la pandémie. Comment ça fonctionne pour aller voir ces formations-là? Bien, on se crée un compte gratuitement sur notre site web pour pouvoir accéder à l'ensemble du contenu d'une formation. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'après avoir créé leur compte, ils ont le choix de visionner l'ensemble du contenu qui est présenté dans cette formation-là pour obtenir une attestation de formation. Ou bien, ils peuvent choisir, soit parce qu'ils n'ont pas besoin de l'attestation ou parce qu'il y a seulement certains contenus qui les intéressent. Ils peuvent choisir de visionner à la carte les contenus qu'ils souhaitent visionner. Donc, il y a ces deux modalités d'utilisation des formations en ligne qui sont à votre disposition gratuitement sur notre site web. La formation sur le trouble de l'usage des opioïdes qu'on a lancée il y a 2 ans,
On cumule jusqu'à maintenant là, 1138 inscriptions. Donc, ça veut dire qu'il y a 1138 personnes qui se sont créées un compte pour aller visionner soit l'ensemble du contenu ou des morceaux du contenu qui les intéressent. La formation sur la santé mentale et la consommation des jeunes dans le contexte de la COVID-19, on l'a mise en ligne en mars 2021 et on cumule jusqu'à maintenant 674 inscriptions. La cyberdépendance, c'est la formation qu'on a mise en ligne il y a moins d'un an et qui cumule, c'est notre championne, c'est vraiment un thème qui était demandé beaucoup par les intervenants. On a 1718 inscriptions jusqu'à ce jour. Et la formation sur le cannabis qu'on a mise en ligne au mois de juillet cumule déjà le 886 inscriptions, alors elle était très attendue, celle-là aussi. Vous voyez à droite sur la diapo l'histogramme qui vous montre que pour les quatre formations, les participants qui les ont évalués considèrent presque tous qu'ils ont appris sur la thématique, qu'ils ont connu des nouvelles ressources et qu'ils ont identifié des partenaires avec qui ils vont pouvoir collaborer. Et particulièrement, les personnes qui ont évalué la formation mentionnent qu'ils ont beaucoup aimé le fait que dans chaque formation, il y a des témoignages, il y a une variété d'experts. On peut faire la formation à son rythme en s'inscrivant sur notre site web. On peut débuter la formation, arrêter, rentrer à nouveau, puis continuer là où on était rendu. C'est des capsules assez courtes, donc c'est concis, c'est droit au but. Et il y a des quiz, comme je vous disais, pour consolider les apprentissages, puis parce que c'est le fun et c'est stimulant de faire des quiz pendant qu'on progresse. Léonie, est-ce que je pourrais juste ajouter quelque chose? Pour les gens qui voient défiler toute cette information-là, juste pour rappeler que c'est très simple. Pour vous inscrire, c'est aller à www.formationcroisée et vous allez avoir la liste des événements. Puis quand Léonie disait les gens s'inscrivent puis peuvent participer à plusieurs choses, mais c'est aussi à l'intérieur. Si vous inscrivez à Jeunes santé mentale et consommation, là, c'est que c'est constitué de plusieurs présentations, documents, et c'est que vous pouvez choisir parmi ça ce qui vous intéresse. Donc, vous n'êtes pas forcé de suivre toute la formation sur ce thème-là. Et donc, le faire, mais sans nécessairement obtenir l'attestation à ce moment-là. Alors, c'est quand on disait vous pouvez vous inscrire, c'est à une activité, mais ensuite, il y a moyen de retourner et s'inscrire à toutes les autres sans difficulté. J'essayais juste de vérifier. Merci. Absolument, Michel, effectivement. Puis, pour en ajouter un petit peu, pour bien vous aider à comprendre de quoi il s'agit, chacune des quatre formations qui sont sur le site web dure environ 3 heures et sont composées d'entre 10 et 15 capsules à peu près. Donc, Michel, comme tu le dis, ben on peut aller s'inscrire aux quatre, on peut visionner des capsules qui nous intéressent, on peut visionner toutes les capsules, donc toutes les modalités sont bonnes pour atteindre ces objectifs. Ensuite, en ce qui concerne les rencontres virtuelles, je vous disais il y a quelques instants que peut-être je ne vous l'ai pas dit en fait, mais on en a fait 5 jusqu'à maintenant depuis le début de la pandémie. Donc, à gauche sur la diapo, vous voyez les thèmes des rencontres virtuelles qu'on a réalisées jusqu'à maintenant pour les services montréalais. Donc, on a abordé le thème des ressources d'urgence en santé mentale et dépendance, les ressources en itinérance, les ressources spécialement destinées aux jeunes, le continuum dépendance et le continuum en traitement du trouble de l'usage des opioïdes. Donc, c'est les fameux speed dating d'organismes qui nous ont permis de traiter ces 5 thèmes-là avec 3 ou 4 présentateurs pour chacun qui nous présentaient des services et avec les personnes qui visionnent en direct. Et les personnes qui visionnent en différé, ben, on est monté jusqu'à environ 250 participants là, pour les 3 thèmes les plus importants. Parce que ces activités-là, après les avoir réalisées, on dépose la captation sur notre site web pour que ceux qui l'ont manqué puissent y accéder. Les bénéfices que les gens ont rapportés après leur participation à ces activités-là, vous le voyez sur l'histogramme de droite, les participants qui ont évalué les activités considèrent vraiment presque tous là, qu'ils ont appris sur le fonctionnement d'une ressource, qu'ils ont identifié des intervenants pour référer et qu'ils ont obtenu de l'information utile pour orienter leur clientèle. Si on passe à la diapo suivante, ça c'est une partie fort importante parce que maintenant que vous savez ce que vous pouvez vous attendre comme bénéfice en participant à ces activités-là, comment on fait pour y participer? Michel, tu l'as mentionné un petit peu il y a quelques instants, mais
D'abord, vous pouvez aller sur notre site web parce que sur le site web, c'est vraiment le point central qui va vous permettre d'accéder à tous les contenus. C'est un site web qu'on a mis en ligne à peu près en même temps que la pandémie pour justement pouvoir héberger le contenu qu'on avait à mettre à la disposition des gens et aussi pour pouvoir annoncer les activités et tout ça. Donc, on est quand même content de pouvoir vous dire que depuis la mise en ligne de notre site, on a eu presque 30 000 visites et donc c'est le point central pour aller consulter les contenus. Après, si vous voulez être certain d'être toujours bien informé de nos activités, si on voit à la page suivante qu'on a aussi notre page Facebook sur laquelle on annonce toutes les activités, on fait une sorte de veille d'information, donc en mettant des informations pertinentes sur les thématiques de la santé mentale et dépendance. Même chose sur notre LinkedIn aussi, donc où on annonce là, toutes nos activités, puis on est très actifs pour s'assurer que vous soyez toujours au courant de ce qu'on fait et des activités qu'on vous offre. Après, l'autre manière d'accéder à nos contenus vidéo, c'est d'aller directement sur la chaîne YouTube Formation Croisée. Personnellement, si je peux vous donner un conseil, je trouve que c'est préférable d'accéder aux vidéos par le site web parce que les vidéos sur le site web, ils sont contextualisés, ils sont emballés, ils sont souvent accompagnés de listes de ressources ou bien ils sont intégrés dans une formation, ce qui vous permet d'aller vraiment chercher de l'information complémentaire. Alors que si vous les regardez sur notre chaîne YouTube, ils sont un petit peu plus détachés là, de leur contexte. Mais il n'y a pas tous les chemins mènent à Rome. Si c'est la chaîne YouTube qui est la plus facile pour vous à utiliser pour aller visionner les contenus, ben elle est là, elle est disponible pour vous. Et à la diapo suivante, vous voyez ici le petit aide-mémoire là, justement sur toutes les modalités qui vont vous permettre d'accéder à nos contenus. Donc, comme je vous le disais, le site web qui est le point central, la page Facebook, la chaîne YouTube, le LinkedIn, équipe de Michel Perrault. Et si jamais vous voulez être sur notre liste d'envoi, que vous ne l'êtes pas déjà, pour être sûr de tout recevoir par courriel et ne rien manquer, vous pouvez écrire à Diana Milton, qui est avec nous aujourd'hui, qui va se faire un plaisir là, d'ajouter vos coordonnées sur la liste d'envoi pour que vous soyez toujours au courant de tout. Et à la diapo suivante, on voit un petit aide-mémoire, encore une fois, par thématique. Sur les activités qu'on a développées dans les dernières années. Des fois, c'est bien beau de savoir c'est quoi les modalités de transfert de connaissances, mais peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les opioïdes, ou moi, ce qui m'intéresse, c'est le cannabis, ou moi, c'est l'itinérance. Ben, à ce moment-là, vous les avez ici par thème en fonction de ce qui vous intéresse et de l'information que vous souhaitez obtenir. Et finalement, juste vous dire que notre prochaine activité, ce sera une rencontre virtuelle, donc nos fameux webinaires speed dating de service qui sera annoncé bientôt. Ça aura lieu en décembre. La date exacte vous sera communiquée. Et on parlera de services aux personnes qui consomment des opioïdes, en particulier les services communautaires, les organismes communautaires montréalais qui sont impliqués auprès de cette clientèle. Alors, je pense que ça fait le tour pour ce que moi j'avais à vous dire. Je vais repasser le flambeau à Michel pour qu'il reprenne un petit peu peut-être les éléments où je suis passée trop vite ou sinon ben, qu'il conclue avant qu'on puisse prendre des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léonie. Peut-être juste dire un mot de remerciement. Ce programme-là, il fonctionne depuis 20 ans et on n'a jamais facturé quoi que ce soit. C'était toujours accessible, gratuit. Et une seule fois, on s'est risqué parce que ça coûte quand même cher de lunch là, quand on soit au Douglas, commander 300 lunch. Puis on les commande d'organismes communautaires souvent. Il y a toujours eu quelque part, soit d'abord merci à notre CIUS de l'Ouest de l'île qui a toujours contribué en nature, en soutien pour appuyer le programme. Aussi à nos organismes, les bailleurs de fonds. Actuellement, on roule avec le financement du programme sur l'usage de dépendance aux substances, là, qui est un programme d'Ottawa qui transite par l'Institut des dépendances. Donc, on est vraiment soutenu pour ce plan-là. Mais aussi, ce programme-là, il est guidé par un comité d'orientation où on a des représentants qui vont de la direction de santé mentale à Québec à notre direction de santé mentale dans notre CIUS,
à des organismes communautaires, éducation, tout ça, et qui nous guident sur les thématiques et comment procéder pour mettre en place ces activités-là. Donc, nous, on leur fournit une rétroaction, puis on les associe aussi pour savoir comment on doit procéder. Et ce n'est pas évident, là, parce qu'on transige avec plusieurs réseaux, comme avec les policiers, par exemple, qui aussi ont leur propre façon de faire. Puis, quand on parle de formation aussi, il y a des règles et ça varie aussi selon les réseaux. Puis, merci aussi à Léonie, Diana, puis il y a Cathy. Vous savez, nous, on s'est recyclés là, en formation à distance. Alors, ça a été comme un passage. On le faisait déjà là, pour soutenir nos organismes à l'extérieur, mais là, c'est de monter les formations en ligne et tout ça, c'est un autre d'autres enjeux. Alors, on semble avoir réussi, en tout cas en termes de participation et de rétroaction, ça nous semble remplir un besoin.